Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. Vous êtes en direct, n'est-ce pas, sur votre chaîne chrétienne Réveil TV et bien sûr sur votre émission Retour à la parole. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa fidélité, pour vraiment son amour. Comme nous le savons tous, c'est toujours une grâce, n'est-ce pas, de nous retrouver dans la présence d'Adonai, notre Elohim. Afin de pouvoir partager la parole. Et comme il est fidèle et il est merveilleux, nous croyons qu'il va nous assister, n'est-ce pas, ce jour, et il va parler, n'est-ce pas, à nos cœurs, dans le but aussi de nous encourager davantage. Vous savez, la Bible dit que les temps sont mauvais et nous sommes arrivés à des moments où le péché, n'est-ce pas, ne fait que d'atteindre, n'est-ce pas, des niveaux élevés. Donc, et la Bible dit que lorsque vous allez voir ces choses arriver, n'est-ce pas, sachez que la fin est proche. Donc, vraiment, le retour de notre Seigneur Yahushua est imminent. Donc, frère, c'est le moment où davantage nous devons nous dépouiller, n'est-ce pas, de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, de tout ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être en conformité, n'est-ce pas, avec notre Seigneur. Et la seule chose, n'est-ce pas, qui nous éloigne du Seigneur, n'est-ce pas, comme nous le dit Isaïe dans Isaïe 59, n'est-ce pas, c'est le péché. Et avant de partager, n'est-ce pas, ce soir sur la qualité du service, n'est-ce pas, qu'on offre à Elohim, alors nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous guide, que la chair se taise et que seul son esprit, n'est-ce pas, prenne le contrôle. Adonai, notre Elohim, Papa, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour la pensée que tu vas mettre ce soir dans mon cœur afin de pouvoir la partager, la communiquer, n'est-ce pas, avec tes enfants qui sont connectés et d'autres aussi, n'est-ce pas, qui prendront certainement l'émission en cours. Papa, nous te bénissons parce que nous croyons que tu vas encore nous interpeller, tu vas encore parler à nos cœurs et que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Yahushua. Amen. Alors, frère. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors nous allons partager sur la qualité du service. Vous savez, le service, n'est-ce pas, qu'on offre au Seigneur doit être de qualité. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, est un Elohim saint. La Bible nous dit qu'il est saint, n'est-ce pas, et nous devons, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, un service de qualité. Or, au bout d'un moment, n'est-ce pas, à cause des habitudes que nous pouvons développer dans la marche avec le Seigneur, le service qu'on offre à notre Elohim, n'est-ce pas, peut ne pas être de bonne qualité. Vous voyez? Et nous allons prendre un peu un passage, voyez, un peu dans la Bible, dans Genèse chapitre 4. Voilà, Genèse chapitre 4. Nous allons voir deux personnes, n'est-ce pas, qui ont offert, n'est-ce pas, des sacrifices au Seigneur. Mais malheureusement, n'est-ce pas, il y a une personne qui sera rejetée. Son sacrifice sera rejeté, n'est-ce pas, par le Seigneur. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'offrande, le sacrifice, n'est-ce pas, qu'il avait offert, n'est-ce pas, au Seigneur, ne répondait pas aux critères, n'était pas agréable, n'est-ce pas, aux yeux de notre Adonai. Frère, nous devons réaliser que notre Seigneur, ouais, il est saint, notre Seigneur, n'est-ce pas, nous devons avoir, n'est-ce pas, de la révérence, nous devons avoir du respect, n'est-ce pas, envers notre Seigneur. Vous savez, même dans le service, même dans notre façon, n'est-ce pas, de servir le Seigneur, frère, si nous ne nous appliquons pas, tant bien même nous pouvons faire beaucoup d'œuvres, mais ces œuvres-là peuvent être rejetées par le Seigneur. Regardons Genèse chapitre 4. Voilà, on va attendre à ce que le frère Joïs, la régie là, nous affiche exactement. Merci, merci, merci mon frère. À partir du verset 1, voilà, la parole nous dit, Adam connut Shéva, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta un regard
sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Voici ici, n'est-ce pas, la Bible nous explique que voici deux personnes, n'est-ce pas, qui vont offrir, n'est-ce pas, des sacrifices à Yahweh. Ils vont présenter une offrande, n'est-ce pas, à Adonai. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, au verset 3, que Abel, n'est-ce pas, de son côté, n'est-ce pas, voyez un peu, au verset 2, ouais, Abel, n'est-ce pas, va offrir, n'est-ce pas, le fruit de la terre, voyez. Or, il n'a pas pris connaissance, n'est-ce pas, en amont de savoir quel type d'offrande qu'il fallait offrir à Yahweh. Quelle est l'attitude qu'il fallait avoir, n'est-ce pas, en apportant l'offrande à Yahweh. Voyez un peu, c'est des choses parfois au bout d'un moment que nous pouvons négliger, mais c'est des détails que le Seigneur ne néglige pas. Vous voyez, la façon dont nous servons le Seigneur a beaucoup d'importance. Ça veut dire, si nous voulons servir le Seigneur, nous devons comprendre que nous devons le faire, n'est-ce pas, en conformité avec sa volonté. Nous devons le faire en conformité avec les Écritures. Certainement, n'est-ce pas, Abel, c'était dit comme beaucoup, qu'en donnant à Yahweh, n'est-ce pas, le fruit du sol, le fruit de la terre, vous voyez, Yahweh est amour, c'est un merveilleux papa, c'est un merveilleux Elohim, alors il comprendra. Vous voyez un peu, il a dû, n'est-ce pas, avoir une pensée de négligence. Ou un peu une pensée, n'est-ce pas, qui l'a mené à ne pas chercher à s'appliquer dans ce qu'il faisait. Et ça l'a coûté cher. Alors frère, nous aussi, nous devons comprendre quelque chose. Que dans le service, n'est-ce pas, que nous offrons au Seigneur, n'est-ce pas, nous devons veiller à ce que ce service-là soit de qualité, de bonne qualité. Voyez, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour offrir, n'est-ce pas, des offrandes de mauvaise qualité, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Non. Lorsque nous le faisons, n'est-ce pas, ça montre quelque part que nous le méprisons, que nous n'avons pas une certaine considération envers notre Seigneur. Voyez, pour les choses de ce monde, n'est-ce pas, nous nous efforçons à nous appliquer. Mais pour beaucoup, pour les choses qui concernent, n'est-ce pas, le royaume, les choses qui concernent, n'est-ce pas, notre Seigneur et Sauveur, voyez, parfois, il y a une certaine fatigue, une certaine négligence, une certaine paresse qui nous anime. Pourquoi? Parce que nous avons une connaissance erronée. Nous disons, non, il est amour, c'est notre papa, il comprendra. Alors donc, je peux ne pas bien m'appliquer, mais il va comprendre. Vous voyez, parfois, cette attitude-là, n'est-ce pas, le Seigneur connaît l'état de nos cœurs. Le Seigneur envoie cette attitude-là dans nos cœurs. Frère, ça peut pousser à ce que le Seigneur nous rejette loin de lui. Alors donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons, n'est-ce pas, veiller à ce que le service, n'est-ce pas, qu'on offre à l'Éternel, n'est-ce pas, soit de bonne qualité. Voilà. Donc, on va lire dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Vous voyez, dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Vous voyez. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment nécessaire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, ce que nous allons partager ce soir. Nous devons comprendre que dans l'exercice, n'est-ce pas, dans ce que nous voulons faire avec le Seigneur, nous devons nous appliquer à bien le faire. Sinon, frère, tout ce que nous allons faire, frère, le Seigneur, n'est-ce pas, ne sera pas forcément content, il ne va pas forcément agréer et on risquera, n'est-ce pas, d'être rejeté par le Seigneur comme Abel. Vous voyez, la Bible dit qu'Abel a été frustré, irrité, n'est-ce pas, le fait que, n'est-ce pas, le fait d'avoir constaté que son offrande avait été rejetée par le Seigneur. Vous voyez, ça l'a frustré et ça l'a mené, n'est-ce pas, à être aigri, n'est-ce pas, avoir de la jalousie envers son frère, alors jusqu'à ce qu'il va commettre un meurtre. Vous voyez, mais nous, n'est-ce pas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, le Seigneur ne veut pas forcément, n'est-ce pas, nous voir dans cette attitude. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, il prend la peine de nous enseigner sa parole. Il prend la peine, n'est-ce pas, de nous montrer comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, le servir et être agréable au Seigneur. Vous voyez, dans Jérémie chapitre 48, n'est-ce pas, verset 10, vous voyez, il est écrit, maudit soit celui, ouais, qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse. Vous voyez, et maudit soit celui qui retient son épée de verser le sang. La Bible dit, on va retenir, n'est-ce pas, la première partie, dit, maudit soit, donc littéralement, malheur à celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse ou encore avec négligence. Vous savez, parfois, la négligence peut être enfouie, n'est-ce pas, dans notre cœur. Vous savez, parfois, les gens voient les œuvres que nous posons, mais
ces personnes-là, n'est-ce pas, qui sont autour de nous, ne connaissent pas l'état de notre cœur. Mais celui qui sonde les reins et les cœurs, n'est-ce pas, c'est Adonai, c'est notre Elohim. Lui, n'est-ce pas, il ne se limite pas rien qu'aux actes que nous posons, mais il regarde aussi, n'est-ce pas, l'état de notre cœur. Il regarde la nature de notre cœur. Il regarde, n'est-ce pas, quelles sont les motivations qui nous animent. La façon dont, n'est-ce pas, nous nous donnons, n'est-ce pas, pour offrir ou pour exercer, n'est-ce pas, ces services. Vous voyez, le Seigneur regarde, il sonde les cœurs, il regarde réellement ce qui est enfui en nous. Or, c'est des détails, n'est-ce pas, qui échappent aux hommes, aux humains, parce que nous sommes limités. La Bible dit que, n'est-ce pas, c'est le Seigneur qui connaît les profondeurs des choses de nos cœurs. Donc, lorsque nous servons le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur ne se limite pas rien que par les œuvres, n'est-ce pas, que nous posons. Non, il regarde aussi l'état de nos cœurs. Il regarde aussi, n'est-ce pas, la motivation, n'est-ce pas, qui nous anime, qui nous habite. Et lorsque cette motivation-là, n'est-ce pas, elle est imprégnée par la négligence ou par la paresse, frère, soyons-en sûrs que les gens peuvent acclamer, les gens peuvent aduler ce que nous faisons, mais auprès du Seigneur, n'est-ce pas, c'est considéré comme étant quelque chose d'imparfait, de mauvaise odeur, quelque chose que le Seigneur va rejeter. Vous voyez? Et la Bible dit, malheur, encore maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec négligence. Or, c'est quoi l'œuvre de Yahweh? C'est quoi faire l'œuvre de Yahweh? Nous allons partir dans Jean chapitre 6, évangile de Jean chapitre 6. On va lire le verset, rien que le verset 29, Jean chapitre 6, verset 29. Oui, pour mieux comprendre qu'en fait, notre Seigneur, n'est-ce pas, nous devons le vénérer, nous devons le servir avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de respect. La Bible nous dit dans Jean chapitre 6, verset 29, voilà. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ou encore l'œuvre de Yahweh, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous voyez, en fait, l'œuvre de Yahweh, faire l'œuvre de Yahweh, n'est-ce pas, c'est de croire en celui que Yahweh a envoyé. Or, Yahweh a envoyé qui? Yéhoshua. Voyez un peu? Et Yéhoshua nous a montré, n'est-ce pas, quel est le modèle que nous devons suivre. Quelle est l'attitude que nous devons avoir, n'est-ce pas, pour servir, pour offrir un service de qualité à notre Adonai. Vous voyez? Yéhoshua lui-même sur terre, il a été un modèle, un exemple. Il était vraiment exemplaire dans tout ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il ne faisait rien, n'est-ce pas, si ce n'est ce qu'il avait entendu et vu, n'est-ce pas, venant de son père. Vous voyez, il n'inventait rien. Tout ce qu'il faisait, n'est-ce pas, c'était en conformité avec la volonté de son père, la volonté de Adonai. Vous voyez, or nous aujourd'hui, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, des habitudes que nous avons développées par rapport à la marche ou par rapport à certaines expériences qu'on a pu qu'on a vécu ou encore expérimenté avec le Seigneur, une certaine négligence, une certaine paresse peut nous animer et commencer à faire l'œuvre du Seigneur avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de paresse. Vous voyez? Et cela constitue un danger pour nous. Parce que nous risquerons, Paul dit, je ne cours pas comme bâton dans l'air. Nous risquerons, n'est-ce pas, de courir, n'est-ce pas, mais dans le vide. Et à la fin, lorsqu'on se retrouvera devant notre Créateur, il nous dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous savez, on serait étonné. Quand bien même, nous avons, n'est-ce pas, fait beaucoup d'œuvres. Nous nous sommes battus, n'est-ce pas, à poser des œuvres. Vous voyez un peu? Mais on n'a pas cherché, n'est-ce pas, à examiner la motivation. Si la motivation, n'est-ce pas, de notre cœur, n'est-ce pas, cadrée avec les œuvres, n'est-ce pas, qu'on posait. Oui, le Seigneur, n'est-ce pas, ne se limite pas rien qu'à regarder nos œuvres. Le Seigneur regarde aussi l'état de notre cœur. Or, dans notre cœur, il y a beaucoup de choses parfois qui sont enfouies, n'est-ce pas, qui ne sont pas révélées, mais que nous connaissons, mais qui sont cachées, mais que personne ne peut voir. Mais Adonai voit, voyez un peu. Mais ces choses-là sont cachées et nous pouvons adopter une autre attitude, n'est-ce pas, face vis-à-vis des hommes. Vous voyez? Et ça, frère, ça constitue, n'est-ce pas, un véritable danger pour nous. Parce que aux yeux du Seigneur, rien n'est caché devant lui. Il connaît toutes choses. Donc la Bible nous dit, faire l'œuvre de Yahweh, n'est-ce pas, c'est de croire. Croire, c'est aussi marcher, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, Yeshua lui-même a marché. C'est de croire en Yeshua, ouais, en croire en Yeshua, c'est aussi marcher comme lui-même aussi il a marché. Vous voyez? Donc, frère, dans le service qu'on offre au Seigneur, n'est-ce pas, nous devons examiner la nature, n'est-ce pas, de la qualité de notre service. Et ce service-là, frère, se détermine, n'est-ce pas, par rapport aux relations que nous avons, n'est-ce pas, au service qu'on offre les uns les autres. La Bible nous dit, n'est-ce pas,
de nous édifier, de nous encourager, de mettre au service des autres des talents que nous avons reçus. Donc ça veut dire que quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous met, nous communique des talents, n'est-ce pas, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Voyez un peu? C'est pour que nous soyons au service des autres. Comme Yoshua, le maître lui-même, n'est-ce pas, il a été au service des disciples, il était au service des gens, n'est-ce pas, du peuple israélite, voyez un peu? Et quand il offrait ce service-là, ce service était de qualité parce que il mettait son cœur, il s'appliquait, il ne le faisait pas avec beaucoup d'hypocrisie, il ne le faisait pas avec beaucoup d'ironie, n'est-ce pas? Il le faisait avec cœur. Et dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, nous allons lire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons prendre le verset. On va lire à partir du verset 40. Voilà. Matthieu 10, à partir du verset 40. Si le frère de la régie peut nous mettre ces versets en direct, voilà. Nous allons ensemble partager, n'est-ce pas? Matthieu 10, à partir du verset 40. Alors il est écrit, « Celui qui vous reçoit, écoutons bien, la Bible dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Et ici, Yeshua parle à qui à ses disciples. Ici, Yeshua veut dire tout simplement que celui qui reçoit ses disciples, le reçoit. Voyez, ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Il est en train d'énumérer quelque chose qui est très fort. Quand il dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit », ça veut dire que les gens ne vont pas voir Yeshua avec leurs yeux physiques. Mais les gens verront certainement des humains, voyez un peu. Mais ces humains-là, n'est-ce pas, en quelque sorte, ont été mandatés, n'est-ce pas, par Yeshua. Non seulement ils ont été mandatés, mais avant d'être mandatés, ils ont été choisis par Yeshua. Et l'esprit de Yeshua habite en eux. Voilà pourquoi Paul va dire que « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. » Donc ça veut dire que c'est des personnes, n'est-ce pas, en qui Yeshua a pris, n'est-ce pas, plaisir. Il a décidé de venir habiter en eux. Voyez un peu. Il habite, n'est-ce pas, dans la vie de ces personnes-là. Voyez un peu. Et il dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui qui reçoit un prophète au nom de prophète recevra la récompense d'un prophète. Dans d'autres versions, c'est celui qui reçoit un prophète, n'est-ce pas, en qualité. Vous voyez un peu? De prophète, on dit au nom de prophète. Donc ça veut dire que s'il est prophète, ce n'est pas un titre que lui-même, n'est-ce pas, il s'est approprié. Il ne s'est pas décidé, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, cette fonction de prophète. C'est Yoshua lui-même qui a pris la peine, n'est-ce pas, de l'établir prophète. Et c'est pour un but, c'est pour une mission. Vous voyez, il dit, celui qui reçoit un prophète au nom ou encore en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Donc ça veut dire que la récompense que nous avons aussi, n'est-ce pas, par rapport aux œuvres que nous posons, est liée aussi à la qualité du service qu'on offre, n'est-ce pas, hein, envers notre semblable, envers un frère. Et celui qui reçoit un juste au nom du juste recevra la récompense d'un juste. Vous voyez un peu? Et ici, n'est-ce pas, on va mettre l'accent ici sur le nom du juste ou encore sur la qualité du juste. Ça veut dire que si quelqu'un qui est juste, n'est-ce pas, il n'est pas devenu juste par ses œuvres. Il est devenu juste, n'est-ce pas, par grâce. C'est parce que Yoshua, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, dans sa miséricorde, de le justifier en pardonnant tous ses péchés et de l'établir, n'est-ce pas, dans son royaume comme prophète. Est-ce que vous voyez un peu? Et la Bible dit que quand Yoshua envoie, n'est-ce pas, cette personne-là, celui qui reçoit cette personne-là reçoit Yoshua. La façon, n'est-ce pas, que nous servons les gens, n'est-ce pas, est liée aussi à la position, n'est-ce pas, ou encore à la valeur, ou encore à l'estime que nous accordons à ces personnes. Ça veut dire que tant que la personne qui est devant nous a moins d'estime pour nous, on va accorder moins d'importance à cette personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque les gens, n'est-ce pas, sont dans les rues pour prêcher l'évangile, ou bien passent dans les télévisions, encore dans les chaînes de radio, vous savez, le fait de connaître celui qui parle, n'est-ce pas, vous avez grandi ensemble dans le quartier, ou bien vous habitez la même maison, le fait de savoir que c'est un frère, même père, même mère, qui habite dans la même maison que toi, voyez un peu, vous êtes sorti de la même famille, le fait de savoir que c'est lui qui parle, n'est-ce pas, tu ne vas pas tellement prendre en considération ce qu'il dit, parce que tu vas te limiter à la personne. Mais en prenant cette position, tu ne te rends pas compte que tu peux passer à côté de ce que le Seigneur veut te dire. Certainement, il y a des choses que le Seigneur veut communiquer, n'est-ce pas, qui seront nécessaires par rapport à ta marche, par rapport à ton éternité.
Mais si tu te limites, n'est-ce pas, rien que à te focaliser sur la personne, n'est-ce pas, qui apporte le message, qui vient véhiculer le message, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est ce qui a dérangé la nation israélite. Ça veut dire, ils se sont limités, n'est-ce pas, au fait, n'est-ce pas, de ce que Yoshua, humainement, n'est-ce pas, humainement parlant, ça veut dire que Yoshua, homme, ouais, un peu, faisait, voyez, ils se sont limités là, n'est-ce pas, et ils n'ont pas, ils ne se sont pas focalisés, n'est-ce pas, à regarder ce que la parole disait, les œuvres qui devaient accompagner le Messie. Ils se sont limités, n'est-ce pas, au manquement, n'est-ce pas, que manifester, bon, pas au manquement, ça veut dire la nature humaine. Le fait de savoir que Yeshua était fils de Marie, voilà, et que son père était Joseph, connaissant qui était Joseph, c'était quelqu'un qui n'était pas certainement beaucoup aisé, voilà. Hein? C'était quelqu'un qui n'était pas certainement beaucoup aisé, qui n'avait pas certainement une force, une grosse, une grande renommée, n'est-ce pas, en Israël, vous voyez un peu, ouais, il n'était pas vraiment estimé des gens, vous voyez un peu, donc le fait, n'est-ce pas, que Joseph n'était pas quelqu'un qui avait une haute fonction, vous voyez un peu, certainement, il n'était pas un haut cadre. Vous voyez, la Bible dit qu'il était charpentier. Vous avez parfois des gens qui ont de telles fonctions, de tels métiers, et ils sont méprisés. Vous voyez un peu, c'est un charpentier. Vous voyez, il ne vaut rien. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est qu'on ne l'estime pas. Pour avoir de l'estime, n'est-ce pas, envers des gens, c'est lorsqu'ils portent des hautes fonctions, lorsqu'ils ont des grands titres, ministre, député, ainsi de suite, voire procureur, magistrat. Vous voyez, quand ils se présentent devant, quand ces personnes-là se présentent devant nous, vous voyez un peu, nous tremblons. Vous voyez un peu, pourquoi? Parce que, en fait, on les estime en fonction de leur position. Vous voyez? Or, des choses comme ça, là, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de tels comportements peut nous jouer des tours, n'est-ce pas, peut nous empêcher de saisir, de rentrer réellement dans le plan du Seigneur, de comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut nous dire à un moment bien donné. Vous voyez un peu, Yeshua dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui reçoit un prophète au nom ou en qualité de prophète, ou un peu, recevra la récompense du prophète. Donc, ça veut dire la récompense ici, n'est-ce pas, est liée, n'est-ce pas, à la qualité du service que tu offres, n'est-ce pas, à celui qui vient au nom de Yoshua. Or, aujourd'hui, beaucoup de messagers de Yoshua sont méprisés. On les méprise. Vous voyez, on ne les considère pas. Parce que, vous voyez un peu, les gens se limitent, n'est-ce pas, par leur apparence physique. On vit dans un monde du bling-bling. On vit dans un monde du m'as-tu vu. Voyez un peu. Ça veut dire que lorsque quelque chose ne frappe pas les yeux, voyez, on accorde peu d'intérêt. Voyez un peu. Or, la Bible nous dit que le royaume d'Élohim ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Dans Luc chapitre 17. Voyez un peu. La Bible dit que le royaume de Yahweh ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Yoshua, lorsque, quand il est venu sur terre, il n'est pas né dans une grande structure hospitalière de la place. Il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Non. Il est né, n'est-ce pas, d'une manière vraiment simple. Et voyant tout cela, n'est-ce pas, le peuple israélite étant, n'est-ce pas, conscient de tout ce qui s'est passé autour de Yoshua, vous voyez, ils ont méprisé la personne de Yoshua. Ils n'ont pas considéré, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Or, c'était le temps de leur visitation. C'était vraiment, n'est-ce pas, le temps de leur délivrance. Mais ils sont passés à côté. Frère, nous devons faire attention, n'est-ce pas, la façon dont nous servons, n'est-ce pas, la façon dont nous servons le Seigneur. Ça veut dire que si dans ton cœur, n'est-ce pas, le service que tu offres est accompagné par le mépris, est accompagné par la paresse, est accompagné par une certaine négligence, ouais, parce que devant toi, tu n'as pas Yoshua. Ouais, ça veut dire, si Yoshua s'est présenté devant nous et que en le servant, nous humains en le servant, on savait que c'était Yoshua qui était devant nous, on allait s'appliquer, on allait faire des choses avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérieux. Mais comme le plus souvent, n'est-ce pas, ce n'est pas Yoshua que nous voyons des humains, et ça nous pousse, n'est-ce pas, à ne pas nous appliquer dans ce que nous faisons. Et lorsque nous ne nous appliquons pas dans ce que nous faisons, là, frère, nous, en fait, c'est une façon de mépriser, n'est-ce pas, ce que nous faisons. Or, en agissant ainsi, nous voyons les hommes. Mais si cette personne-là, n'est-ce pas, qui est devant nous, a été justifiée par Yoshua, c'est aussi quelque part à Yoshua que nous le faisons. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus voir Yoshua avec nos yeux, avec les yeux physiques. Vous voyez un peu? Tu ne peux pas voir Yoshua comme ça. Ça veut dire que nous allons voir Yoshua, n'est-ce pas, au travers des hommes qu'il a justifiés. Alors voilà pourquoi Yoshua dit, il n'y a pas un plus grand amour que de donner, donc littéralement que d'être au service de son prochain, de donner, n'est-ce pas, donner son cœur. Servir, n'est-ce pas, avec dévouement, avec sérieux, en nous appliquant.
Et cette façon de faire, frère, nous joue des tours. Et ce qui fait qu'en fait, beaucoup, n'est-ce pas, se retrouvent dans le péché avec le Seigneur. Parfois, leur vie de prière, n'est-ce pas, n'a pas de percée. Leur marche n'a pas de percée. Parce que, vous savez, ils offrent, n'est-ce pas, un service de mauvaise qualité. N'est-ce pas? Quand ils sont avec des frères et sœurs, ils parlent avec mépris, ils font des choses avec beaucoup de paresse, avec beaucoup de négligence. Il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Vous voyez un peu? Et cette attitude-là, n'est-ce pas? Le Seigneur, voyez, le Seigneur sanctionne de tels comportements. C'est des comportements, n'est-ce pas, que le Seigneur n'approuve pas. Voyez, ça nous met en retard. Dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, Matthieu 22, on va lire le verset 16. Mais c'est la dernière partie du verset 16 qui va nous intéresser. Alors, il faut comprendre qu'en fait, cela est dû à quelque chose. Ça veut dire que lorsque nous servons, n'est-ce pas, avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de négligence, c'est dû à quelque chose. Cette négligence-là, n'est-ce pas, est due à quelque chose. Regardons un peu ce que la parole nous dit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 16, « Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens en disant, « Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité et que tu ne considères personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. » Vous voyez un peu? En fait, ici, les gens qui étaient envoyés par des pharisiens, vous voyez un peu, ont énuméré quelque chose, ça veut dire une qualité, vous voyez un peu, quelque chose, hein, vous voyez, une qualité, n'est-ce pas, qui était en Yeshua. C'est qu'il ne prenait pas, n'est-ce pas, égard à l'apparence des hommes. Vous voyez, quand Yeshua parlait, il ne parlait pas, n'est-ce pas, en distinguant des catégories sociales ou bien disant non. Vous voyez un peu, il parlait avec cœur. Et autant il pouvait parler, n'est-ce pas, aux gens qui avaient des postes élevés dans la vérité, et il parlait aussi, n'est-ce pas, il utilisait, n'est-ce pas, le même langage, la même vérité aussi, avec ceux aussi qui n'avaient pas des postes aussi assez élevés. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne prenait pas égard à l'apparence des personnes. Or, nous, frères, c'est quelque chose parfois qui nous joue des tours. Et ça fait que, en prenant égard à l'apparence des personnes, n'est-ce pas, dans le service que nous ouvrons, qu'on offre au Seigneur vis-à-vis de notre frère, nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, connaître l'efficacité dans ce que nous faisons avec le Seigneur, parce que en nous, ce que nous faisons, n'est-ce pas, est lié à l'estime qu'on peut avoir des gens. Ça veut dire que plus quelqu'un a de l'estime pour nous, plus nous nous appliquons. Mais moins cette personne a de l'estime pour nous, mais moins, n'est-ce pas, nous sommes appliqués. Vous voyez, cette façon de faire, ces détails-là, n'est-ce pas, le Seigneur les voit dans nos cœurs. Il sait. Et ça empêche la croissance, ça empêche la percée. Ça nous empêche, n'est-ce pas, d'expérimenter le Seigneur pleinement dans ce qu'il veut faire avec nous. Et la Bible nous dit que Yeshua n'avait pas égard à l'apparence des personnes. Et dans Jacques chapitre 2, nous allons lire un passage aussi. Jacques chapitre 2, épître de Jacques au chapitre 2. On va lire à partir du premier verset. Voilà. La Bible dit, il est écrit, « Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi en notre glorieux Seigneur Yeshua Mashiach. » Vous voyez un peu? Ici, Jacques reprend, n'est-ce pas? La Bible dit, n'ayez pas d'égard à l'apparence. Parce que quand on a égard à l'apparence des personnes, ça va influencer, n'est-ce pas, la qualité des services qu'on offre à Elohim. Vous voyez un peu? Or, comprenons que servir Elohim, n'est-ce pas, c'est le servir auprès des humains, auprès des hommes. Jacques dira, comment diras-tu, n'est-ce pas, à ton Dieu que tu l'aimes, n'est-ce pas, alors que tu es ton frère, n'est-ce pas, que tu vois. Tu ne vois pas ton Dieu, n'est-ce pas, et tu dis tu l'aimes, et ton frère que tu vois, n'est-ce pas, qui est créé à l'image de Yahweh, c'est tellement que Yahweh a justifié par son sang précieux à la croix, voyez un peu, et tu vas avoir de la haine dans ton cœur pour lui, envers cette personne, tant pour moi, voyez un peu. Il dit, en agissant ainsi, tu fausses. Voyez, avant d'abord de dire que tu aimes Adonai, n'est-ce pas, montre aussi, n'est-ce pas, cette réalité de l'amour que tu as envers ton Créateur, n'est-ce pas, vis-à-vis de ton frère qui est devant toi. Or, le plus souvent, frère, on méprise nos frères et sœurs. On méprise, vois un peu, les hommes que le Seigneur met devant nous, nos frères qui sont devant nous. On les méprise, vois un peu. Les gens sont tellement indifférents. Pourquoi? Parce que on apporte peu de considération, n'est-ce pas, envers notre semblable, envers notre prochain. Ouais. On est prêt à dire, oh, notre Elohim, nous t'aimons, mais
En retour, lorsque un frère est en difficulté devant nous, mais regardons l'attitude qu'on adopte. Regardons un peu le comportement qu'on affiche. Nous sommes parfois indifférents. On prend beaucoup de retard, on prend beaucoup de temps avant de pouvoir agir. Voyez un peu pourquoi. Mais c'est parce que la personne qui est devant nous, n'est-ce pas, a moins d'estime. Voyez un peu. Voyez son apparence. On sait qu'en retour, voyez, c'est une personne quelque part, n'est-ce pas, pour nous, on ne la considère pas réellement. On n'a pas trop d'estime. Alors voilà pourquoi on peut prendre, n'est-ce pas, du temps avant de pouvoir réagir. Mais si cette personne en retour, nous savons que tôt ou tard, elle pourra, n'est-ce pas, nous apporter quelque chose lorsque nous serons dans nos besoins. Vous allez voir que la façon de faire va changer. Vous voyez? Et tout cela, n'est-ce pas, c'est des choses qui sont enfouies dans nos cœurs. Mais que Adonai voit. On va continuer dans Jacques chapitre 2. Vous voyez? Et Jacques, n'est-ce pas, va nous déterminer un peu, voyez un peu, comment est-ce que beaucoup, parfois même dans nos assemblées, ou encore dans la vie pratique, n'est-ce pas, se comportent. Au verset 2, il dit, car s'il entre dans votre assemblée, vous voyez, un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Vous voyez ici, Jacques va mettre en évidence, n'est-ce pas, deux personnes, vous voyez un peu, avec deux catégories de personnes. Ça veut dire, l'une, n'est-ce pas, était pauvre. Et l'autre était aisé, il était riche, il avait d'anneau d'or, il était bien habillé. Voyez un peu. Et l'autre était misérablement habillé, vêtu. Vous voyez, ici, il va illustrer quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, Jacques, le Seigneur, n'est-ce pas, par son serviteur Jacques, savait qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, c'est les choses qui vont habiter nos cœurs. C'est les choses, n'est-ce pas, qui vont influencer le service que nous allons offrir à Dieu, n'est-ce pas, à Adonai auprès de nos frères et sœurs. Vous voyez, l'apparence des hommes. Ça veut dire que même dans les couples, parfois, les femmes peuvent avoir beaucoup de mépris vis-à-vis de leur époux. Vous voyez, ça veut dire que si par exemple l'époux passe par des temps difficiles, des temps de désert, où il est au chômage, où il est par exemple accablé par une maladie, où il est touché par une infirmité, vous voyez, et au bout d'un moment, n'est-ce pas, c'est la femme qui essaye un peu de répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la famille, un temps soit peu, si elle ne veille pas, un mépris peut s'installer dans son cœur. Et elle va commencer à parler, n'est-ce pas, à son époux avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup de mépris. Vous voyez un peu, et vous savez, de tels comportements, n'est-ce pas, on en trouve même dans des assemblées des saints, même au milieu de ceux qui prétendent appartenir à Yahushua. Vous voyez un peu, on peut être dans un groupe de chorale, dans un groupe de chant, autant pour moi, on peut être aussi, appartenir, à avoir des hautes responsabilités dans une assemblée, vous voyez un peu, mais, et n'est pas être agréable au Seigneur. Tu peux être acclamé par les hommes, mais et être rejeté par ton Créateur. Parce que c'est le Seigneur regarde aussi la motivation de notre cœur dans ce que nous faisons. Le Seigneur ne s'intéresse pas seulement au fait qu'on apporte de l'argent ou bien on va donner les sandwichs ou des vivres aux orphelins, aux pauvres. Oui, c'est bien. Mais le Seigneur regarde aussi, n'est-ce pas, la nature, l'état de ton cœur. Tu le fais avec quel genre de cœur? Tu le fais comment? Est-ce que c'est avec beaucoup de sérieux? Est-ce que c'est avec beaucoup d'amour? Ou derrière ça, il y a le mépris? Ou derrière ça, n'est-ce pas, c'est parce que tu veux, n'est-ce pas, que tu sois connu des hommes, que tu sois acclamé, exalté ou encore adulé? Vous voyez? C'est des choses parfois que les hommes ne peuvent pas déterminer, mais que le Seigneur connaît, parce que la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît. Et Jacques, n'est-ce pas, veut dire que s'il arrive dans votre assemblée, deux personnes qui arrivent, l'une est bien vêtue et l'autre est vêtue misérablement. Vous voyez? Donc, la réception parfois qu'on offre est parfois lié aussi, n'est-ce pas, aux apparences qui se présentent devant nous. Et l'apparence, n'est-ce pas, peut t'amener à avoir de l'estime, n'est-ce pas? Soit tu vas estimer la personne-là, n'est-ce pas, en l'honorant, n'est-ce pas, dignement, ou bien tu vas estimer la personne-là, n'est-ce pas, en honorant la personne-là indignement. Vous voyez un peu, non? Donc ici, si Jacques met en évidence, n'est-ce pas, ces deux exemples, c'est parce qu'il savait que, à la longue, frère, lorsqu'on ne veille pas, à un moment donné, on peut se retrouver, nous pouvons nous retrouver influencés, n'est-ce pas, par cette façon de faire. Qui n'honore pas le Seigneur? Qui ne plaît pas du tout au Seigneur? Oui, mon frère, s'il te plaît, si tu peux remettre le passage à la télévision, sur l'écran, autant pour moi. Voilà. Et au verset 3, il dit, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique. Voyez un peu? On tourne les yeux vers celui qui est bien habillé. Un peu pourquoi? Parce qu'on est égard à l'apparence des hommes. Et lui disait, toi assieds-toi ici honorablement. Et que vous disiez aux pauvres, toi tiens-toi là debout. Ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Ne vous faites pas en vous-même une distinction. Et n'êtes-vous pas des juges
qui avait des pensées injustes. Voyez, la Bible nous dit qu'en agissant ainsi, n'est-ce pas, voyez, on a des pensées injustes. C'est une attitude qui n'est pas propre au Seigneur. Et beaucoup, n'est-ce pas, d'entre nous, nous agissons ainsi. La façon dont nous recevons les frères, lorsqu'un frère vient te rendre visite, voyez, parfois il y en a qui ont du mal même à partager leur plat de midi parce qu'il attend ainsi que le frère retourne. Oui, vous savez, le frère est venu, tu passes le temps à parler, oui, mais à l'assemblée, mais comment ça s'est passé? Ah, vraiment, la prédication du pasteur, là, elle était feu. Il y avait le feu. Ah, vraiment, tu as vu comment l'onction est passée. Mais en parlant avec ces frères-là, mais tu discernes que c'est certainement un frère qui est accablé par la faim ou bien qui est accablé par la difficulté. Tu peux discerner. Mais comme tu as le mépris, n'est-ce pas, comme tu ne considères pas tellement la personne qui est devant toi, tu vas te limiter rien qu'à parler des aspects spirituels. Et laisser partir ses frères comme ça, avec un ventre affamé. Aux yeux des hommes, n'est-ce pas, ça peut ne pas avoir une grande signification. Mais le Seigneur connaît l'état de ton cœur. Vous voyez? Ça veut dire que, imagine-toi que ce frère ou cette sœur-là qui t'a rendu visite, n'est-ce pas, était Yoshua lui-même en personne. Tu vois que tu allais courir, n'est-ce pas, chercher à offrir, n'est-ce pas, le meilleur plat. Hein, aller chercher même la boisson, le jus le plus valeureux pour l'offrir. Parce que tu vas chercher, n'est-ce pas, à recevoir Yoshua de manière digne. Vous voyez? Or, Yoshua, n'est-ce pas, se présente aussi, n'est-ce pas, devant nous, au travers ses enfants, ces personnes qu'il a justifiées, ces personnes qu'il a rachetées. Vous voyez, nous ignorons que le plus souvent, parfois, quand nos frères nous rendent visite, mais c'est Yoshua qui nous rend visite. Vous voyez, donc, comme on a une connaissance erronée, voyez, on considère toujours cette personne-là comme étant, n'est-ce pas, une simple personne qui nous rend visite. On dit non, bon, c'est un frère. Ah, mais oui, je connais Paul, on a grandi ensemble. Alors, donc, quand il vient, tu le reçois avec beaucoup de mépris. Tu ne cherches même pas à comprendre réellement ce pourquoi il est venu te rendre visite. Toi, c'est seulement, tu te passes le temps seulement à parler, vous bavarder, vous raconter. Voyez un peu. Et si le Seigneur, n'est-ce pas, t'interpelle même dans ton cœur, tu dis que, mais regarde un peu ton frère, regarde comment la chaussure est déchirée. Où la babouche est percée. Tu vois, tu ne fais pas attention. Ouais, un peu, parce que tu te limites, tu te dis que non, mais c'est Paul ou bien c'est André. Bon, en tout cas, le Seigneur fera. Ouais, un peu. Or, en agissant ainsi, tu ne te rends pas compte que c'est Yoshua qui t'a visité. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, on peut le lire, s'il vous plaît, mon frère Joïse. Matthieu chapitre 25, on va le lire. Dans Matthieu chapitre 25. Et à partir du verset 31. Voilà. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, lisons attentivement mes frères et sœurs. Il dit: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Regardez, quand est-ce que ces personnes-là ont vu Yoshua en prison? Ce n'était pas Yoshua de manière physique, n'est-ce pas, à qui ils ont rendu, n'est-ce pas, ces services, mais c'était à des hommes, à des gens que Yoshua, n'est-ce pas, a justifié. C'était des gens, n'est-ce pas, qui faisaient partie, n'est-ce pas, du peuple de Yoshua. Voilà pourquoi Yeshua dans Matthieu 10, qu'on a lu tout à l'heure, disait: celui qui vous reçoit me reçoit. Voyez, il dit: j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et en donnant à manger, n'est-ce pas, à ces personnes-là à qui Yeshua avait justifié, n'est-ce pas, à qui Yeshua considérait comme étant ses enfants, voyez un peu, c'était une façon aussi, n'est-ce pas, de servir Yeshua. Voyez, or, frère, voyez, c'est des détails qu'on oublie, qu'on ignore.
Et c'est ce qui fait que, regardez, dans nos assemblées, voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées, frères, il y a des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui peuvent avoir des ordonnances, mais les gens n'ont pas à cœur de pouvoir les aider. Si l'homme de Dieu n'a pas parlé, voyez un peu, ça veut dire, si ce sont les besoins de l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui sont connus, ouais, les gens se précipitent à donner. Les gens se précipitent à donner, parce que c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Pourquoi? En fait, c'est parce que ces personnes qui donnent là cherchent à être estimées par l'homme de Dieu. Cherche à être estimé par le pasteur, veulent avoir, n'est-ce pas, une certaine position devant le pasteur, ils veulent être bien vus, n'est-ce pas, devant le pasteur. Alors voilà pourquoi ils donnent. Ça veut dire la motivation qu'ils donnent, c'est parce que derrière cette motivation, il y a un intérêt. Il y a un intérêt qui est caché. Oui. Et ça explique que maintenant, quand il y a un frère ou une sœur de la même assemblée qui est en difficulté, mais personne ne peut venir à son secours. Vous voyez, personne ne réagit, les gens sont insensibles. Oui, ce sont des mots, n'est-ce pas, qui règnent dans nos assemblées. Vous voyez, on admire les gens par intérêt, par apparence. On réagit en fonction de l'estime, en fonction, n'est-ce pas, de l'importance qu'on accorde aux gens. Alors, quand on est plus important, n'est-ce pas, quand on sait qu'on peut tirer intérêt, vous voyez, on trouve, n'est-ce pas, l'importance d'agir. Mais lorsqu'on sent qu'en retour, on ne peut rien recevoir de X ou Y, frère, on n'est pas motivé. Vous voyez un peu, regardez, cette façon de faire, frère, nous pousse à passer à côté, n'est-ce pas, du plan du Seigneur. Nous pousse, n'est-ce pas, à être dans un état de péché devant notre Seigneur. Quand on se comporte ainsi, frère, nous sommes dans le péché. On pêche parce que nous méprisons l'homme qui a été justifié, l'homme pour lequel Yeshua, Yeshua a versé son sang à la croix. En le méprisant, nous méprisons aussi le Seigneur. Oui, il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais les gens n'ont pas vu Yeshua avec les yeux physiques. Mais les gens qui ont donné à manger, là, sont certainement allés au secours, n'est-ce pas, des personnes qui étaient vulnérables, des personnes qui étaient affaiblies. Mais en agissant ainsi, frère, ils agissaient envers, n'est-ce pas, les gens que Yeshua avait sauvés, n'est-ce pas, les gens que Yeshua, n'est-ce pas, considérait comme étant, n'est-ce pas, ses enfants. Vous voyez, et quand il se comportait, n'est-ce pas, envers ces personnes-là, vous voyez, et Yeshua considérait que c'est aussi, n'est-ce pas, c'est aussi envers lui que ces personnes agissaient aussi ainsi. Vous voyez un peu, donner à manger et donner à boire. Frère, nous devons regarder, n'est-ce pas, la façon dont nous traitons notre prochain. Vous voyez un peu, la façon dont tu traites ton prochain, comment tu traites ton prochain. Comment, n'est-ce pas, tu agis lorsque ton prochain est dans le besoin et que le Seigneur a permis à ce que tu sois comblé? Comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu te fies d'abord, n'est-ce pas, à l'apparence de la personne? Est-ce que dans ton cœur, tu te dis, si je donne en retour, est-ce que cette personne-là pourra aussi un jour venir à mon secours lorsque je serai en difficulté? Ah, je préfère garder ça pour moi. Un peu. Ou bien, tu te dis, ah, comme cette personne-là, je sais que tôt ou tard, je pourrai recevoir quelque chose venant de cette personne-là, alors je donne. Tu vois un peu? Parce qu'en retour aussi, c'est que le jour où je serai dans le besoin, lui aussi pourra venir, il pourra venir m'aider. Vous voyez, ça là, c'est des comportements, n'est-ce pas, qui ne sont pas propres, frère. Ce n'est pas bien. Ouais. Ça pousse à ce qu'on soit, n'est-ce pas, dans un état de péché devant le Seigneur. Ouais. On va lire, on va terminer par Philémon, l'épître de Paul à Philémon. C'est juste un chapitre, l'épître de Paul à Philémon. On va lire à partir du verset 8. Voilà, Philémon, voilà, à partir du verset 8. Paul dit, c'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Machia de t'ordonner ce qui est convenable, je te supplie, plutôt à cause de l'amour, étant ce que je suis, moi Paul, moi Paulos, vieillard, un vieillard, et même maintenant un prisonnier de Yeshua Mashiach, je te supplie pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est bien utile à toi et à moi. Frère, tu vas laisser le verset, le passage affiché, n'est-ce pas, sur l'écran. Ouais, je vais un peu essayer, n'est-ce pas, d'expliquer, afin que les gens, n'est-ce pas, soient situés. Ici, n'est-ce pas, Paul s'adresse à Philémon. Philémon à qui, n'est-ce pas, Paul avait prêché l'évangile, et par le ministère de Paul, n'est-ce pas, Philémon est venu au Seigneur, en Yeshua. Voyez, mais ce Philémon-là, n'est-ce pas, il se pourrait qu'à un temps dans sa vie, n'est-ce pas, il avait un esclave qu'on appelait Onésime. Onésime était esclave, c'est Philémon. Et Philémon et Onésime avaient certainement, n'est-ce pas, fait quelque chose de mauvais à Philémon et il s'est enfui. Mais Paul, étant en prison, n'est-ce pas, à cause de l'évangile,
a retrouvé Onésime aussi qui avait été enfermé. Ouais, la Bible ne donne pas les causes. Voyez un peu, mais certainement c'est quelqu'un qui était de mauvaise moralité. Lorsqu'on lit un peu, on essaie un peu de voir un peu le contexte, un peu dans quand Paul parle. Voyez un peu par rapport à sa vie passée, bien sûr. Voyez. Donc, étant en prison, n'est-ce pas, Paul va rencontrer Onésime, et étant dans la prison là-bas, Onésime va se convertir par le canal de Paul, et Onésime va devenir, n'est-ce pas, un fils du royaume. Et Onésime, n'est-ce pas, devait sortir, n'est-ce pas, de sa condamnation, et Paul écrit maintenant à Philémon, n'est-ce pas, voyez, et il dit à Philémon, n'est-ce pas, de ne plus considérer Onésime comme étant celui qu'il a connu dans le passé. Voyez. Donc Paul était en train d'enseigner à Philémon quelque chose de fondamental, que si tu restais, n'est-ce pas, attaché sur la vie passée de Onésime, tu passais à côté, parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie d'Onésime. C'est-à-dire que le Seigneur avait opéré un changement et Onésime était devenu une nouvelle créature. Yeshua vivait en lui. Mais si Philémon restait encore, n'est-ce pas, dans la pensée, dans l'état, dans la pensée qu'il avait d'Onésime, n'est-ce pas, la pensée d'hier, il passait à côté. Voyez un peu, son jugement était faux. Voyez, et en adoptant un tel comportement, il pouvait se retrouver, n'est-ce pas, en train de passer à côté, n'est-ce pas, par rapport à ce que le Seigneur voulait aussi faire dans sa vie. Voyez un peu. Alors, on va continuer au verset 11. Il dit, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est bien utile à toi et à moi. Je te le renvoie, et toi, reçois-le donc comme mes propres entrailles. Je voulais le retenir auprès de moi afin qu'il me serve à ta place dans les liens que je porte pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ta bonne action ne soit pas comme forcée, mais volontaire. Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu l'aies pour toujours. Non plus comme, verset 16, regardez, il dit non plus comme esclave, mais comme étant au-dessus d'un esclave. Comme un frère bien-aimé, principalement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme moi-même. Voyez un peu, Paul dit ici à Philémon de ne plus considérer Onésime comme étant, n'est-ce pas, certainement ce gars, ce jeune-là qui était voleur ou bien qui était de mauvaise moralité. Non, mais de comprendre qu'en fait, de le considérer, n'est-ce pas, dans sa nouvelle position, dans son nouveau statut. Tu vois, Yeshua avait changé son identité. Donc, en fait, si Paul ici dit à Philémon aussi, n'est-ce pas, en fait, en le recevant, n'est-ce pas, reçois-le en qualité de fils du royaume. Parce que Paul savait que si Philémon, n'est-ce pas, n'était pas averti, n'est-ce pas, son service, n'est-ce pas, pouvait ne pas être de bonne qualité vis-à-vis d'Onésime, connaissant ce qu'Onésime, n'est-ce pas, avait fait à Philémon dans le passé. Vous voyez, c'est nécessaire, frère. C'est des choses que nous devons comprendre. Ça veut dire que lorsque nous servons le Seigneur, nous servons auprès des hommes. Et le service qu'on offre, n'est-ce pas, hein, aux frères et sœurs, doit être de qualité, doit être vraiment de bonne qualité. Vous voyez, nous ne devons pas servir, n'est-ce pas, nos frères, avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de paresse, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de négligence. Vous voyez, et lorsque nous nous comportons ainsi, frère, nous le faisons aussi devant le Seigneur. Parce que ces frères, n'est-ce pas, et sœurs qui sont devant nous, n'est-ce pas, c'est Yeshua qui est en nous. La Bible dit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, la Bible dit, nous sommes une habitation d'Élohim, n'est-ce pas, en esprit. Vous voyez. Donc, nous voyons les hommes physiquement, n'est-ce pas, avec nos yeux charnels, ouais, mais dans l'esprit, c'est Yeshua qui vit en eux. Donc, lorsque tu méprises, lorsque tu négliges, n'est-ce pas, ton frère, ouais, c'est à Yeshua quelque part aussi que tu le fais. Ouais. Et beaucoup, n'est-ce pas, se trouvent dans ce péché. Et dans des assemblées, n'est-ce pas, les gens sont dans ce péché subtil, ouais, où tout est centré, n'est-ce pas, sur une catégorie de personnes. Alors que le plus grand nombre, n'est-ce pas, beaucoup sont pauvres. Ils ont même du mal à subvenir à leurs besoins. Même pour le manger, il n'y en a pas. Ouais. Mais une fois que le pasteur, l'homme de Dieu, a donné une parole, alors tout le monde court à lui donner des fausses sommes d'argent. Tout le monde court, tout le monde veut montrer combien de fois il donne, combien de fois il donne. Mais alors qu'autour de nous, on peut constater qu'il y a des personnes qui sont là, n'est-ce pas, qui n'ont même pas de vêtements, qui n'ont même pas des chaussures, qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'arrivent même pas à se soigner. Vous voyez, nous sommes indifférents. Ça nous importe peu. Vous voyez, on méprise. Vous voyez, de tels comportements, n'est-ce pas, le Seigneur les juge, le Seigneur les condamne.
Et lorsqu'on agit ainsi, frères, soyez-en sûrs que peu importe ce qu'on peut faire, peu importe les fortes sommes d'argent, peu importe les offrandes qu'on peut offrir, n'est-ce pas, dans nos assemblées, ou bien à nos prophètes, à nos hommes de Dieu, si Yeshua vient, on ne pourra pas aller avec lui. Nous avons besoin de nous repentir si nous nous reconnaissons, n'est-ce pas, dans cette façon de faire. Frères, nous devons nous appliquer lorsque nous savons qu'il y a un frère à qui le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de venir en aide. Lorsque nous sommes là, n'est-ce pas, pour servir les frères et sœurs, nous devons le faire avec dévouement, avec efficacité, avec discipline, avec amour, avec sincérité. Voyez un peu, nous devons servir nos frères et sœurs vraiment avec un cœur engagé. Nous devons donner tout ce que nous avons. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, faire des différences entre les pauvres et les riches, entre les blancs et les noirs, entre les jaunes et les rouges. Non, nous devons servir, n'est-ce pas, tout le monde d'une même manière, avec un cœur bien disposé. Et lorsque nous allons agir ainsi, frères, nous serons agréables au Seigneur et nos prières, n'est-ce pas, seront exaucées. On criera, n'est-ce pas, et à chaque fois que nous allons crier, le Seigneur répondra à nos prières. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plaisir, il prend plaisir à ce qu'on fait. Voilà pourquoi, frères, Caïn, n'est-ce pas? Caïn n'a pas compris ses principes. Vous voyez? Il n'a pas compris ses principes. Il a offert, autant pour moi, un sacrifice. Il a méprisé le Seigneur. Un sacrifice de sol. Vous voyez un peu? Il a apporté une offrande avec beaucoup de négligence. Et la Bible dit, malheur à celui, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec négligence. Avec négligence. Il n'a pas cherché d'abord à connaître comment est-ce que je dois faire pour servir mon Seigneur. Comment est-ce que je peux rendre un service agréable à mon Seigneur. Vous voyez un peu? En se référant à sa parole. En allant consulter le Seigneur dans son intimité. Vous voyez? Et c'est précipité à offrir un sacrifice et ce sacrifice-là, n'est-ce pas, était tout simplement, n'est-ce pas, de la volonté humaine et le Seigneur l'a rejeté. Alors donc, frères et sœurs, veillons dans ce que nous faisons. Soyons vigilants, soyons attentifs. Vous voyez, les temps sont mauvais. Ce sont ces péchés-là, n'est-ce pas, que beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup vont se retrouver encerclés, captivés par ces péchés. C'est des péchés subtils. Parfois, le diable va mettre dans nos pensées, n'est-ce pas, l'estime des hommes, nous fier à l'apparence des hommes, hein, regarder des gens, n'est-ce pas, par motif d'intérêt. Vous voyez un peu, des telles attitudes, lorsque nous sentons que nos cœurs ont été affectés par des telles attitudes, n'est-ce pas, nous devons crier au Seigneur, nous devons rejeter cette façon de faire, parce que ça pollue notre relation, ça pollue notre communion avec le Seigneur, ça nous éloigne du Seigneur, ça pousse à ce que lorsque nous crions au Seigneur, lorsque nous prions, n'est-ce pas, nos prières ne sont pas exaucées. Beaucoup aujourd'hui, les temps des moments de prière sont devenus des temps de pénitence. Vous voyez, la prière devient comme quelque chose de lourd. C'est un lourd fardeau. C'est quelque chose de pesant. On prie, nous sommes fatigués, nous sommes lassés parce que nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Mais c'est parce que beaucoup sont dans le péché. Beaucoup sont dans des péchés subtils. Ils sont dans les apparences des gens. Ils estiment les gens par motif d'intérêt. Ils sont dans des choses vraiment que le Seigneur n'agrée pas. Vous voyez? Pour que nous soyons agréables au Seigneur, nous devons nous libérer de tels comportements. Servir nos frères et sœurs. Voyez, comme si c'était Yeshua qui était devant nous. Voyez? Et lorsque nous allons comprendre des choses ainsi, frères, la marche avec le Seigneur nous amènera de gloire en gloire, de victoire en victoire. Frères, regardons combien de fois, n'est-ce pas, dans nos rues, nous rencontrons des pauvres. Regardons combien de fois dans nos quartiers, nous avons des personnes, n'est-ce pas, qui vivent misérablement, qui sont dans la misère. Mais on ne prête pas attention, on ne fait pas attention. Nous, nos intérêts, c'est d'apporter des fortes sommes d'argent dans nos assemblées. Pourquoi? Mais parce que nous voulons montrer aux hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui nous dirigent, voyez un peu, que nous sommes des fervents chrétiens, que nous sommes des gens qui s'aiment, voyez un peu. Mais lorsque tu agis ainsi, mais tu peux être adulé, acclamé par ton pasteur ou par ton prophète ou par ton apôtre, mais être rejeté par ton Seigneur. Et la Bible dit que si le Seigneur te rejette, mais qui te sauvera? Aucun homme ne pourra te sauver. Aucun prédicateur ne pourra te sauver. Le seul qui a la possibilité de pouvoir te sauver, c'est Yeshua Mashiach. Et Yeshua dit, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui sert, n'est-ce pas, hein, doit le faire avec cœur. Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Nous devons servir nos frères et sœurs avec vérité, avec amour, avec sincérité, frère. Lorsque nous décidons, n'est-ce pas, à offrir un service, ce service-là doit être de qualité. Ne nous limitons pas aux apparences. Voyez un peu, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, que ce soit qui que ce soit, peu importe la nature de la personne, lorsque tu décides de faire quelque
quelque chose. Fais le bien, faisons le bien, comme si devant nous, on avait le Seigneur qui était devant nous. Voyez un peu? Si le Seigneur était devant nous, est-ce que c'est comme ça qu'on allait se comporter? Si c'était Yoshua qu'on avait devant nous, est-ce qu'on allait agir comme on agit envers nos frères et sœurs? Non, on allait changer. Voyez un peu? Comme cette histoire, il y a une femme qui avait prié, qui attendait, qui avait demandé au Seigneur, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Et le Seigneur a dit à la femme, je vais te visiter le week-end. Et lorsque le week-end est arrivé, la femme a tout arrangé, elle a bien orné sa maison, elle a bien balayé la maison, elle a fait à manger, elle a préparé à boire, tout ça, la maison était bien préparée, bien propre. Et en journée, n'est-ce pas, elle a entendu, n'est-ce pas, la porte, coco, coco, coco. Et quand elle a ouvert comme ça, là, elle a vu un homme qui était tout sale, avec la bave, qui avait une odeur nauséabonde, qui était affaibli par la faim. Il dit, madame, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'ai faim, j'ai soif. Et la femme la va dire à cet homme, éloigne-toi de moi, va là-bas. Moi j'attends le Seigneur et toi tu veux venir me déranger. Ça c'est la sorcellerie. Elle va fermer la porte à cet homme. Et le lendemain, à la même heure, pendant qu'elle priait, alors elle va encore entendre coco à la porte. Et quand elle va ouvrir, elle va voir une dame qui était misérablement vêtue, qui était aussi affaiblie par la faim, qui était sale. Elle dégageait une odeur terrible. Et la dame avait lui dire, madame, ma soeur, s'il vous plaît, j'ai faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis quelque chose, n'est-ce pas, sous la dent. Elle va fermer la porte à cette femme. Et elle va retourner dans sa chambre prier. Dit, Seigneur, tu as dit que tu veux me visiter. Seigneur, tu as parlé du week-end. Et le week-end est passé. Et cette femme-là s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à se lamenter. Elle a crié au Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu allais me visiter. En toi, il n'y a pas de mensonge. Mais pourquoi tu ne m'as pas visité? Et le Seigneur va dire à cette femme, je t'ai visité deux fois et tu m'as rejeté. Et la femme-là va dire, mais quand est-ce que tu es venu me visiter? Quand est-ce que tu m'as visité et je t'ai rejeté? Voyez un peu? Le Seigneur s'est présenté, n'est-ce pas, à elle, d'une façon dont elle ne s'attend pas. Parfois, le Seigneur va se présenter en nous, n'est-ce pas, une façon où tu t'attends le moins. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. Frère, ne nous fions pas, n'est-ce pas, aux apparences. Soyons sincères dans ce que nous faisons. N'ayons pas, n'est-ce pas, des préférences dans nos cœurs. Agissons, n'est-ce pas, avec un même cœur, vis-à-vis, n'est-ce pas, envers tout le monde. Vous voyez, en agissant ainsi, frère, lorsqu'on va agir ainsi, on sera agréable au Seigneur. Alors, c'est ce partage, n'est-ce pas, que j'avais à cœur ce soir pour vous, pour nous. Afin que le Seigneur, n'est-ce pas, nous éclaire davantage dans la qualité des services, n'est-ce pas, qu'on offre au Seigneur. Servir le Seigneur, n'est-ce pas, c'est le servir auprès de son peuple, auprès des hommes. Vous voyez, nous ne voyons pas le Seigneur, voyez un peu, mais nous voyons les hommes que le Seigneur a justifiés. Et lorsque nous méprisons ces personnes-là, nous méprisons aussi le Seigneur. Frère, cette attitude-là, elle n'est pas bonne devant le Seigneur. Nous devons nous repentir. Si nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans cet état-là, repentons-nous. C'est les péchés, n'est-ce pas, qui nous bloquent, qui nous empêchent de connaître une percée avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce. À bientôt, shalom.